Bonjour Nicolas, enfin rebonjour, on a eu l'occasion d'animer cette table ronde sur le search et la sémantique aujourd'hui. Tu travailles chez Orange, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle et tes responsabilités sur ce métier-là? Bonjour Yann, alors écoute, moi c'est très simple, moi je suis le responsable de l'expérience de recherche au sein d'Orange. C'est-à-dire concrètement le moteur de recherche d'Orange, le moteur généraliste web, mais aussi des technologies qu'on met en place pour les moteurs dédiés. Un moteur dédié, c'est quoi? C'est par exemple le moteur de la boutique ou le moteur de l'assistance ou le moteur de la télé pour chercher une VOD. Voilà typiquement ma double casquette en fait. D'accord, donc tu fais partie des quelques chanceux en France à pouvoir travailler sur ce sujet de manière directe. Exactement, je suis vraiment dans le cœur du search. Okay. On peut dire ça comme ça, tout à fait. Quels seraient les enseignements pour toi de cette conférence en termes de search, d'usage de recherche aussi? Alors, on a connu une révolution avec le mobile. Et je pense qu'on vit la deuxième révolution du search avec les objets connectés. Aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impossible sur une montre connectée, sur une paire de lunettes Google Glasses, d'avoir un clavier et donc de poser une question avec des mots-clés. On rentre donc dans le search conversationnel, c'est-à-dire deux couches principales, une reconnaissance vocale et une analyse sémantique. Et on attend, en règle générale, pas une liste de réponses faite de 10 ou 15 résultats, mais une réponse directe. Typiquement, je vais demander à ma montre quelle est la date de naissance de Victor Hugo et ma montre va pouvoir me répondre 1802. Voilà. C'est ça, aujourd'hui, ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est comment va s'organiser le web avec les micro-data, les micro-formats et tous les moteurs de recherche, comment ils vont s'organiser pour mettre en place ce sémantique et pouvoir recevoir des questions à l'oral et y répondre à l'oral aussi. D'accord. Voilà. Et du coup, chez Orange, donc c'est un sujet qui vous intéresse de manière très claire. Particulièrement, tout à fait, oui. Comment vous adaptez à ça et quelle est ta prospective sur des usages de recherche qu'on n'envisage même pas aujourd'hui? Je ne sais pas si tu as déjà la réponse, mais... Alors, nous, c'est très clair, nous, techno, moteurs de recherche, on veut mettre ça en place. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on va mettre les micro-formats, les micro-data en place pour avoir toute la chaîne, c'est-à-dire le moteur, le crawler, l'index, la base, bref, toute la chaîne pour présenter les réponses, des réponses sémantiques. Et puis, on travaille déjà en expérimentation sur cette reco vocale bien sûr, mais aussi sur l'analyse sémantique et les données qu'on va mettre en avant. Un bon exemple, c'est la recherche sur la télé. Si je suis dans mon canapé, je veux rechercher une VOD, la VOD de Superman, il va falloir une vingtaine de clics sur ma télécommande, ça va être un peu long, etc. Ça serait bien plus simple de prendre soit mon iPhone et commander ma télé, soit d'avoir un bouton sur ma télécommande, reco vocal et dire je cherche une VOD de Superman. Donc ça oui, on y travaille déjà et c'est pas l'avenir, c'est très très proche, c'est maintenant. Ok, merci Nicolas. Merci Yann.